Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro info de la semaine comme chaque samedi. Alors dans notre rétro info d'aujourd'hui, nous allons d'abord parler de cette histoire de rattrapage du bac, cette session de rattrapage pour les candidats qui sont arrivés en retard, un millier nous dit-on. Et donc le problème qui s'est posé est que quelques heures avant que le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, M. Tebboune, n'annonce la nouvelle aux députés, la ministre de l'Éducation nationale avait donné une interview à un journal où elle avait dit « Il n'en est pas question. Ouelou !» Et elle a même poussé le bouchon jusqu'à dire « Et que ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à porter plainte. » Ils ont la justice devant eux. Nous, on ne fera jamais de rattrapage pour ceux qui ont fait du retard parce que c'est dans les règles universelles que ça se passe comme ça. Et donc, quelques heures plus tard, devant le Parlement, où elle était elle-même présente, le ministre de l'Éducation nationale fait une annonce où il dit, alors je vais le citer, le chef du gouvernement, pardon, il dit que le président de la République a entendu les doléances des parents d'élèves et a ordonné au gouvernement de préparer une session spéciale pour ces retardataires. Nous allons commencer par regarder le discours et la réaction de la ministre. لمن أقصوا بسبب تأخر Et même pour se lever, elle se lève vraiment. Là, je veux vraiment montrer qu'elle est très, très mécontente. Elle n'a pas applaudi à la directive de Fahamatouhou. Hein? Voilà. Et donc, voilà. Et nous parlerons aussi aujourd'hui, nous évoquerons l'arrivée du nouveau Premier ministre et du plan qu'il annonce. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Et les titres d'abord. TSA, plan d'action du gouvernement Tebboune. Un marathon de 15 jours et des interrogations par Hassan Hadouche. APS. Tebboune présente le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'APN par APS. Maghreb émergent, BAC 2017. Tebboune annonce l'organisation d'une session spéciale pour les candidats retardataires par Linda Abou. Pour cette rétro-info, nous aurons donc avec nous Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Bonsoir. Bonsoir Hassan, merci d'être avec nous. Badis Khnissa, président cofondateur à Club Émergence. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est moi. Brahim Younsi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Là, je ne suis pas trompé. Très bien. Vous avez mis de côté. Même cela, voilà. Ces jours, on va le faire sauter. Citoyen algérien. Encore. Et encore, la citoyenne algérienne. Alors, vous avez vu la réaction. Nous allons la revoir, si vous permettez, la réaction de Madame Ben Rabarit. Avec plaisir. Ah, ouais. Regardez. كانت الرئيس قد قرر وأمر الحكومة بتنظيم دورة خاصة للبكالوريا لمن أقصوا بسبب تأخر. السيدة المحترمة السيدة وزيرة التربية والتعليم كل الصلاحيات في التنظيم المادي وضبط رزنامة الامتحانات المقبلة.
Elle n'était pas contente, hein? Il y a de quoi? C'est incroyable. C'est un désaveu mais à ce et point, une humiliation. Mais on a voulu l'humilier. Pourquoi ne pas lui avoir dit, juste avant le discours, « Bon, on ne vous a pas consulté, mais là, nous allons annoncer qu'il va y avoir cette session. Hein. » C'était normal. On a même parlé d'une démission. Il y a une rumeur de démission qui a circulé avant d'être démentie, paraît-il. Récemment, exactement, par son ministère. Mais encore une fois, en regardant cette scène, moi, ce que je retiens, c'est exactement en fait une scène qui résume et qui est à l'image, finalement, du modèle de gouvernance de cet exécutif, qui est dans le mépris déjà envers, on va dire, ses subordonnés, notamment le Premier ministre envers ses collaborateurs, parce qu'eux, pour eux, en tout cas, ils les considèrent comme hiérarchiquement en dessous. Mmh. Sur le fond et sur la forme. Mais pour moi, c'est exactement une image, justement, de défaillante de ce que c'est aujourd'hui gouverner, ce que c'est l'exécutif en Algérie. Moi j'ai mis plutôt mon regard sur M. Tebboune. Il a annoncé ça avec une voix tremblotante. On voit bien qu'il est complètement figé. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la PNL. Hein. Absolument. Vous analysez ce genre d'attitude, de langage corporel. Allez-y, je vous en prie. Donc, on voit M. Tebboune annoncer ça avec des phrases assurées. Ce n'est pas un discours fluide, ce n'est pas une conviction. Il prononçait ces phrases par petits bouts et comme si il y avait justement une espèce de ligne rouge entre lui et la ministre, que lui aussi avait peur d'annoncer ça. Et le message qui est envoyé dans cet épisode que vous avez bien fait de mettre en évidence, pour que les téléspectateurs aussi puissent voir les manigances dont parle M. Badis. Il y a plusieurs messages. D'abord, la triche. C'est-à-dire que même pour le baccalauréat, même pour les diplômes, etc., il y a la triche institutionnalisée au niveau du pouvoir qui, effectivement, a été démocratisée. Quand la triche s'installe dans le pouvoir, la société aussi devient en situation de triche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'au lieu de refonder le bac, au lieu de refonder l'éducation, au lieu de se poser des questions véritablement de comment sortir l'école de l'impasse, du marasme, on rafistole, on parle de petits trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance. Troisième message, c'est le laxisme. On a décidé que les retardataires allaient être sanctionnés, il fallait s'y tenir. On va parler de cet aspect. Dernier point, le laxisme. Oui. Le laxisme envers tout, y compris donc cette symbolique du baccalauréat. Et moi, j'ai envie de poser une question à Brahim Younsi. Quand le Premier ministre, il arrive, il est tout nouveau, donc il a tout intérêt à ménager ses collaborateurs, à être courtois, à ne pas les blesser, gratuitement, j'allais dire. Or, là, il arrive, il débarque, rien ne l'empêchait de lui parler, de la prendre en aparté, de lui dire « Madame, je suis désolé, ça nous est tombé comme une tuile pour vous comme pour moi, voilà, on a décidé de faire de ça. » Elle, informée, elle aurait au moins pris ça, plutôt bien, elle aurait fait semblant de savoir, d'avoir participé à la prise de décision. Or, le fait de ne pas lui avoir dit, ça ne peut être que prémédité, que délibéré. Ça veut dire qu'on a voulu l'humilier. Pourquoi alors, dans ce cas? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être pour la pousser à la sortie. Sans doute. Sans doute. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'on parle d'ores et déjà, la rumeur circule que la ministre de l'Éducation nationale serait en situation de partir. Bon, c'est le mieux qu'elle aurait à faire, d'ailleurs, qu'elle soit bonne ou mauvaise ministre, parce que là, effectivement, elle a été humiliée. Le Premier ministre, quant à lui, le nouveau Premier ministre, quant à lui, a obéi à un ordre, et il a dit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a dit, j'ai reçu un ordre. J'ai reçu un ordre. Donc ordonné, il a dit, voilà la phrase. Le président de la République a entendu l'audience des débat et a ordonné. Oui, il a reçu un ordre qu'il a exécuté. Ce qui est intéressant, c'est pour nous et pour les Algériens, c'est la disqualification du pouvoir public, du discours public, de la parole publique.
C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, effectivement, on sait que ce qui est annoncé peut être faux, peut être remis d'une minute à l'autre. C'est la gestion à la petite semaine des affaires publiques. Si tu me permets, moi je veux revenir sur le mot que tu as utilisé, Hassan, c'est le mot de laxisme. Le pouvoir, dans la situation où il se trouve, d'abord, par un manque évident de légitimité depuis très longtemps et singulièrement depuis les dernières élections où plus de 80% des électeurs algériens ne sont pas allés voter. Mais il ne peut être que laxiste. Parce que la moindre étincelle mettra le feu à la baraque. Donc il ne peut être que laxiste. Et d'autres questions... Permissif. Oui, laxiste, permissif, on peut employer tous les qualificatifs. Je m'en foutiste. Oui, absolument, tous les qualificatifs que l'on... Moi, je me réjouis, bien sûr, qu'il y a une discipline. Nous avons parlé en aparté tout à l'heure, à savoir que les conditions, notamment de transport, ne sont pas réunies pour que certains élèves, certains candidats puissent se rendre normalement dans les centres d'examen. Moi, je me réjouis pour ce millier de candidats qui ne ratent pas une année de scolarité, qui puissent passer leur baccalauréat. Et je souhaite qu'ils le réussissent, qu'ils l'aient. Bon, déjà, c'est une chose. Cela aussi... Après, il faut espérer que ces jeunes-là ne fassent pas partie des gens qui agressent leurs professeurs. Oui, bien entendu. Pour avoir justement une mauvaise note, pour ne pas avoir pas 10, etc., pour avoir triché, ainsi de suite. Oui, bien entendu. Je veux dire, c'est ce genre de message aussi qu'on envoie. Oui, mais bien entendu. On a vu le drame qui s'est passé à l'université. Oui, vous êtes d'accord avec cette situation de rattrapage? Écoutez, déjà, je pense que moi, il y a un aspect qui vraiment qui me sidère et sur lequel je reste très dubitatif, notamment sur les épreuves du bac. Tous les ans, c'est un feuilleton interminable. Exact. On est le seul pays au monde, quand même, rappelons-le, qui subit ce type de marasme, ce type de débandade, alors que si... De fraude, entre autres, c'est un ensemble, c'est un package, effectivement. Mmh. Mais dans lequel, à chaque fois, nous avons des feuilletons à ad vitam aeternam qui se perpétuent, notamment on parle du coup de la démission, de l'affront envers cette ministre, de l'injonction du Premier ministre, tout cela autour d'une épreuve. Alors que je pense que les Algériens aujourd'hui ont beaucoup... à attendre de ce gouvernement sur encore davantage sur d'autres aspects. Sur la qualité de l'enseignement. Absolument, déjà. Absolument. C'est-à-dire que sur le fond de la problématique, là, on est toujours dans le superficiel, vous voyez. Et ça mange de pain, hein, parce que ça permet de couler de l'encre, ça permet de faire des émissions, ça permet justement d'aller faire dans l'exégèse des uns et des autres, et tout sauf justement résoudre la problématique. Absolument, absolument. Donc, mais non, mais moi, je reviens sur cet effet d'annonce, rappelons-le, parce qu'il dit sur l'injonction, pour justement chanter les louanges du président qui a, sur justement analyse de la situation, a donné, encore une fois, on va dire, une gratification à ses retardataires. Il a entendu les doléances. Exactement. Des parents d'élèves. Donc on est typiquement, vous savez, dans la sacralisation du maître, donc pour pouvoir dire que. Oui, mais en même temps, il est ridiculisé, monsieur. Juste cette petite parenthèse. Ici, le président de la République, le chef de l'État, est ridiculisé. C'est-à-dire que voilà un chef d'État qui, au lieu de s'occuper de la feuille de route pour l'avenir du pays, il va s'occuper de petits retardataires du baccalauréat. Et avec solennité, il va donner un ordre, etc. Il est ridiculisé. Oui. Alors que ce n'est même pas lui. Nous, on sait que ce n'est même pas lui. Mais en plus. Il est ridiculisé. Moi, j'aimerais profiter de cette occasion, même si ce n'est pas l'ordre du jour. Nous en parlions tout à l'heure, Hassan, entre nous, en aparté. La personne de Madame Benrabrit. C'est devenu aujourd'hui une figure éminemment idéologique pour les uns et pour les autres. Je sais que le sujet emblématique pour les uns et pour les autres. Voire divine. Non, emblématique pour les uns, oui, diabolique pour les autres. C'est ça. Alors j'aimerais qu'on en discute, mais pas trop longtemps parce que nous avons du pain sur la planche. Aujourd'hui, Benrabrit, quoi qu'elle fasse, pour les gens qui sont du côté laïque, trottoir laïque ou laïcisant, c'est la Jeanne d'Arc, c'est la grande figure, c'est la passionnariat, c'est le rempart contre l'islamisme, c'est tout ce qu'on veut. Du côté islamiste, quoi qu'elle fasse de bien ou de mal, c'est le diable en personne. Et donc, on oublie ce qu'elle fait, et les uns la défendent bec et ongle, quelle que soit la situation, et les autres l'attaquent bec et ongle, quelle que soit la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous sommes dans une culture où c'est blanc ou c'est noir. Et c'est comme ça même avec le pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que fait l'opposition est complètement à rejeter.
tout ce qui est la parole du chef de l'État est à magnifier, etc. On est dans une culture de dichotomie. Mais effectivement, d'abord, il y a lieu de réfléchir sur ce qu'elle propose. Si mes souvenirs sont bons, elle avait envie de supprimer l'enseignement donc religieux de l'école et de rajouter des heures de mathématiques, etc. Bon, dans tout pays qui se respecte, ça s'est passé en Suède, ça s'est passé en Corée du Sud que Badis citait tout à l'heure, il est possible d'envisager une expérience au niveau régional, au niveau d'un certain nombre de lycées, etc., etc. Donc, ce qui est possible aujourd'hui, c'est que ces propositions, au lieu qu'elles soient combattues par une frange et angélisées par une autre, eh bien, elles peuvent faire quelque chose d'expérimental en disant, voilà, un certain nombre de lycées, visiblement, par exemple, dans là où il est à Tizi Ouzou, comme vous dites, M. Benchenouf, tout le monde est d'accord avec Mme Ben Rabarit, etc., il la défend, etc. OK, on fait une expérience dans là où il a été Zouzou, pourquoi pas. Et on évalue. Le problème de l'Algérie, c'est que dans tous les domaines, économique, éducatif, social, etc., il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de champ expérimental. On gère les choses comme ça au jour le jour et on ne sait pas quels sont les effets attendus d'une mesure, quelle qu'elle soit. Bon, Mme Ben Rabarit, bon, je ne vais pas m'attarder. Bon, bien sûr qu'elle est clivante. Très clivante, bien entendu. Elle est. Elle ne se sert pas, elle aussi, de ses bien motifs idéologiques. Bien, évidemment. Bien sûr. De façon opportune et opportuniste. Moi qui est situé plutôt de l'autre côté de ceux qui soutiennent Mme Ben Rabarit, sans critique. Mais le ministère de l'Éducation nationale, par définition, n'est pas un ministère où l'on idéologise. On ne fait pas passer une idéologie. Oui, mais ça a toujours été le ministère. Oui, oui, oui. Mais qui, je dis normalement, ça ne devrait pas être un ministère. Qui a cristallisé les idéologies depuis 62. Surtout dans un pays comme l'Algérie. C'est un ministère où l'on doit transmettre du savoir et des connaissances. Et c'est ce qu'on demande au ministère. Ce n'est vraiment pas le cas. Oui, hélas. C'est, donc si cette ministre ou quelqu'un d'autre, et c'est là où ils font venir, s'applique à donner des consignes pour ne transmettre que des connaissances et du savoir, y compris du savoir religieux. Parce que c'est là que je ne suis pas d'accord, oui, personnellement. Bon, oui, bon. Parce que la religion, faut que ce soit à titre privé, instrumentalise la religion à des fins politiques. Non, elle ne peut pas être. Je suis désolé de vous devoir vous interrompre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Voilà. Non, ouais. Parce qu'on a parlé de l'éducation religieuse, il n'y a pas d'autre. Alors, si vous êtes d'accord, on peut organiser une émission sur ça. L'éducation religieuse doit passer. Mais là, on commence à instrumentaliser la religion. Non, ce n'est pas de l'instrumentalisation, c'est une éducation religieuse. On en parlera dans une autre émission. Mais rapidement, puisqu'on doit. Un mot là-dessus, Mme Ben Rabarit, qu'on le veuille ou non, a le mérite au moins de faire des choses, de vouloir bouger les lignes, peut-être d'une manière, peut-être parfois, on dirait approximative. Ce qu'elle manque peut-être aujourd'hui à ses communicants notamment, c'est un manque de pédagogie. Parce que, effectivement. Un manque de pédagogie dans le ministère de l'Éducation. Voilà, exactement, c'est là où je veux en venir, c'est un fait. Et c'est le comble d'ailleurs. Manque de pédagogie dans le sens où, dans son plan d'action, on a besoin peut-être de mieux expliquer les choses. Et de moins peut-être dupliquer certains modèles qui marchent peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres cultures qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont parfois occidentales. Mais ce que, juste pour fermer la parenthèse, et je rejoins à 100% Sebrahim, c'est qu'on arrivera à soulever des montagnes, à changer justement notre modèle ou d'approche à partir du moment où on arrive à dissocier la culture et l'enseignement au dogme. Très bien. Et nous allons passer donc au sujet suivant, qui est l'arrivée du Premier ministre. D'abord, pourquoi lui? Pourquoi avoir fait partir Sellel, selon vous? Est-ce que vous avez une idée sur la question? Après tout, pourquoi pas lui? Oui, je pense qu'on est exactement dans la même configuration que cette annonce à propos de la séance de rattrapage du bac. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, tout peut changer, tout peut basculer, etc. On s'attendait à ce que Sellel soit reconduit. C'était, on va dire... On lui a même demandé de consulter. Tout à fait, absolument, c'est ce qu'il a fait, du reste. Il a commencé, d'ailleurs. Ouais, il l'a fait. Et puis, brusquement, hop, on passe à quelqu'un d'autre.
c'est encore une fois le consensus dont il parle au niveau des clans du pouvoir. Donc c'est des rapports de force du moment. Aujourd'hui, ils sont en faveur de tel clan, le lendemain, ils sont en faveur de tel autre, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais pour des raisons certainement d'alliance dans les services qui comptent, notamment les services de sécurité, l'armée, la police, les grands corps d'État. Et c'est malheureusement ce genre de rapport qui est devenu de force, de rapport de force, qui est devenu systémique et qui fait que l'Algérie continue de souffrir. Il a toujours été systémique. Nous sommes dans un régime, présidentiel. Nous sommes dans un régime présidentiel. Il y a encore présidentiel entre oui, évidemment. Il faut mettre parce qu'il faut que le président soit choisi. Présidentiel par intérim. Nous sommes dans un régime présidentiel, quelle que soit la personne qui prend les décisions. Les fonctions du président, quelle que soit celle qui les assure, sont celles qui prédominent. Je ne parle pas de la personne, mais de la fonction. Nous sommes dans un régime présidentiel, indéniablement. Et c'est le président de la République qui décide au moment où il le veut. C'est sa souveraineté. La fonction est souveraine aujourd'hui. Mais Sidlel aussi était très proche du clan présidentiel. Plus proche que Tebboune à certains moments. Il faut croire qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses que nous ignorons, en tout cas que moi j'ignore. Il faut croire qu'il s'est passé des choses que nous ignorons pour la raison pour laquelle cela a été dégagé et puis il a nommé ce nouveau Premier ministre qui arrive avec un plan d'action. Justement, nous allons parler du plan d'action. Le problème de l'Algérie, juste cette phrase-là, le problème de l'Algérie, c'est que même dans le choix de nos dirigeants, nous n'avons pas entièrement la souveraineté. C'est-à-dire que les pressions américaines, françaises, européennes, etc., les pressions de l'Arabie saoudite, du Qatar, etc., du Moyen-Orient en général, font aussi la politique de l'Algérie. Et ça, c'est un sujet qui mérite d'être débattu. Moi, sur l'arrivée de Tebboune en Premier ministre, en remplacement de M. Sellel, d'apparence, oui, effectivement, on peut faire croire que c'est une alternance déguisée, bien évidemment. Oui. Mais j'aimerais juste attirer l'attention sur... Pour revenir sur la chronologie des choses, notamment les élections législatives, parlons-en. Les élections législatives et leur flop total, rappelons les chiffres, donc c'était vraiment une démission totale du peuple algérien, donc qui a peut-être aussi joué dans ce qui se tramait déjà dans les coulisses et qui a peut-être accéléré le départ de Sellel. Parce qu'on a considéré finalement, il faut toujours un bouc émissaire, bien évidemment, dans ce modèle de gouvernance, et on a jugé utile parce que M. Sellel, ça fait déjà quelques mandats où il est là, et puis quelque part avec un bilan blanc, comme d'ailleurs les mandats qui se sont succédés depuis 18 ans. Gouvernance, vous voulez dire, pas de mandat, il n'est pas élu. Oui, mais enfin, je veux dire, quand je dis mandat, je monte en fait à une catégorie supérieure. Vous m'avez compris. Nous allons passer... Mais sauf que, franchement, M. Badis, on ne va pas être naïf. C'est croire que le pouvoir algérien a entendu le message des électeurs. Ce n'est pas possible. Ah non, du tout. Je ne peux pas croire que le changement soit survenu suite au flop des élections. Non, c'est la pérennisation. En fait, c'est une finalité de pérennisation de ce modèle. Il n'écoute jamais les messages. Le problème est que Tebboune, quand il s'adresse aux députés, dont il sait très bien qu'ils ne sont pas représentatifs du tout, puisque cette élection a été la plus boycottée du pays depuis l'indépendance, certains parlent d'un taux de participation de moins de 15%. Absolument. De moins de 15%. C'est unique dans les annales électorales. Et donc, lui, quand il parle aux représentants du peuple. Il le dit à plusieurs reprises. Il s'adresse aux représentants du peuple. Alors, dans ce plan d'action qu'il avance, qui est en 5 points, écoutez bien, parce que ça, vraiment, ça vaut le détour. Vous savez comment on l'a appelé, M. Tebboune, sur les réseaux sociaux ? Pinocchio. Et vous savez pourquoi ? Pour le mensonge. Voilà, le nez long, il a le nez long. Mais vous savez que les gens qui ont le nez qui s'allonge, c'est des gens qui mentent, des menteurs. C'est la mythologie, effectivement. Voilà. Et lui, alors, je m'excuse d'être aussi cru. Lui, alors là, écoutez bien et vous allez juger s'il ment ou non. Il parle d'abord de renforcement de l'état de droit. Renforcement. Il ne dit pas l'avènement, il dit le renforcement de l'état de droit. Alors, il parle, lui, M. Tebboune, qui lui-même
jusque-là, dans des affaires louches, l'affaire Khalifa et autres, hein, il parle de moralisation de la vie publique. En Algérie, vous imaginez, les travaux d'Hercule, hein, les écuries d'Ogia. Et il parle de la protection des acquis sociaux. Dans un pays où même le taux de chômage est caché. Personne ne le connaît, le vrai taux. Il est falsifié. Et d'ailleurs, il parle du taux de chômage de l'ordre de 10% à peu près. Et il dit, c'est normal, un peu comme l'Espagne, comme ceci. Alors que tout le monde sait que le taux de chômage est d'au moins 30%. Tout le monde le sait. Entre 30 et 40. Entre 30 et 40. Alors, il parle aussi de la poursuite des investissements et le développement humain. Et le soutien à l'économie, à l'industrie, et tenez-vous bien, le soutien à la politique étrangère. Alors, essayez de m'expliquer un peu tout ça, de nous expliquer. Monsieur Tebboune est comme Gribouille. il a tellement peur de la nuit, de la pluie, qu'il se jette dans l'eau. Qu'il se jette dans l'eau, voilà. C'est ce que je retiens de ce Premier ministre. Mais c'est incroyable. Il est tellement positif qu'on dirait qu'il a passé ses nuits à étudier la méthode Coué. C'est incroyable. Je suis ahuri par ce Premier ministre. Oui, oui. Ça vous a bien dit, on dirait que c'est la méthode Coué. Il veut nous convaincre de choses jusqu'à ce qu'on y croit. Absolument. C'est incroyable. Le croit-il lui-même? C'est ça la question que je me pose. Je ne pense pas, puisqu'il fait partie de ce système depuis tellement longtemps. Il était Wali plusieurs fois, ministre, il a navigué un peu partout, il a été très proche de certains clans, donc il sait ce qu'il en est. Quand il parle de renforcement de l'état de droit, c'est quand même incroyable. Oui, alors qu'on sait très bien qu'il y a des prisonniers du MZAB, il y a des journalistes qui sont enfermés régulièrement. Je vais demander à la régie s'ils peuvent me trouver une vidéo qui se trouve sur ma page Facebook, si on peut nous la passer pour montrer ce qu'est l'état de droit, où on voit un avocat, ça s'est passé avant-hier, où on voit un avocat se faire enlever par les services de sécurité en pleine rue et jeter dans une voiture. Bonjour. J'espère qu'on va pouvoir nous la passer. Mais l'état de droit, c'est la quotidienneté. C'est le rapport du citoyen déjà à l'administration. C'est le rapport du citoyen aux élections. C'est le rapport de l'Algérien à la citoyenneté. Vous parliez tout à l'heure de la citoyenneté. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est la règle de droit qui s'impose à tous. Mais cette règle de droit est construite, fabriquée, adoptée par la volonté générale. Et il n'y a pas, la volonté générale n'existe pas dans ce pays. Absolument. Parce qu'elle n'est pas... exprimable. Moi, je pense que quelque part, il y a un inconscient qui parle. Parce que quand il dit renforcer l'état de droit, sachant que cet état de droit n'existe pas, en fait, c'est renforcer l'état de droit des privilégiés. C'est-à-dire ceux qui envoient leurs enfants faire des études supérieures dans les universités occidentales, ceux qui peuvent détourner de l'argent de façon impunie. Mais pourquoi utiliser le mot « état de droit » alors il aurait pu utiliser un autre mot? Oui, mais parce que là, ça ne veut rien dire. Il ne peut pas le dire directement. C'est l'état de droit des privilégiés, avec effectivement la gabegie économique, le détournement des biens publics, les biens mal acquis, dont il faut parler un jour. Et quand il parle de moralisation de la vie publique en Algérie, où les scandales font tellement floresse que les gens ne lisent même plus les journaux. Ils se contentent de lire le titre de la une et ils ne lisent pas parce que ça devient vraiment... Ils sont gavés, les Algériens. Pour moraliser, il faut déjà qu'une autorité ou un pouvoir soit indépendant. Déjà. Et que lui-même ait une éthique. Que lui-même soit éthique. Je veux parler de la justice. À partir du moment où la justice est elle-même pourrie, il faut le dire. Elle peut être actionnée. Et d'autre part, n'est pas autonome, n'est pas indépendante. Comment moraliser alors que les institutions ne bénéficient pas ou ne sont pas l'émanation du suffrage universel? La moralisation commence par là. Moi, sur les deux aspects, là, justement, l'état de droit et de la moralisation. On est fatalement dans un cas de figure qui se perpétue depuis quelques années déjà, et notamment depuis 18 ans.
Exactement. Si moi, on je dirais plutôt, loin, oui. On est vraiment dans un cas de figure de déni de réalité. Depuis l'affaire Zgar et compagnie. Donc du déni de réalité dans lequel, au fait, on a, au-delà de s'accaparer le peuple algérien, on a essayé aussi de le mettre sous tutelle, et notamment sa perception des choses et de la réalité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous parle d'un état de droit dans un pays qui, justement, vous faites bien de le rappeler, où on a séquestré peut-être quelqu'un, on l'a pris en plein jour d'une méthode vraiment manu militari. De gangsters. Pour quelles raisons on l'ignore. Donc on est typiquement vraiment aux antipodes de l'état de droit. Mais moi, ce que je retiens aussi de cette sémantique de M. Tebboune et d'ailleurs de tous les premiers ministres qui sont succédés, c'est peut-être aussi d'avoir une espèce de politique de posture, de manière à pouvoir peut-être regagner cette crédibilité perdue. On parlait tout à l'heure justement. Peut-être aussi de s'inscrire dans une posture de salvatrice, dans lequel justement, nouveau staff, nouvelle sémantique, nouveau changement, nouvelle dynamique. Sauf que le fond est le même. Mais rappelons-le, le fond est le même. Yassir Badis, il y a un mal originel. Il y a un péché originel. Et le péché originel, c'est le coup d'État. Un pouvoir qui est issu du coup d'État ne peut pas construire du droit, fabriquer du droit impersonnel, du droit général. Il ne peut pas accorder des droits. C'est ça le problème. C'est oui. Que nous sommes frappés d'un péché originel. C'est le coup d'État qui fait que nous sommes dans la situation où nous sommes. Le coup d'État, c'est la force et nous continuons à vivre sur des baïonnettes. Alors sans point, ça, je suis obligé d'aller un peu vite. Hein. Son point de son plan, la protection des acquis sociaux. Protection des acquis sociaux. Dans un pays où il n'y a plus d'industrie, puisque tous les ouvriers ont été remerciés, leurs usines ont été bradées, on sait à qui, hein. Leurs usines, on sait à qui elles ont été bradées. Les retraités vivent dans la misère, tout le monde le sait, que 90% des retraités perçoivent des indemnités et des pensions qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Alors que tous les cadres du régime, tous les anciens responsables, bénéficient d'une retraite dont la caisse est dont la consultation des chiffres est secrète, interdite. Personne n'a le droit de consulter ces chiffres parce que ce sont des pensions de retraite mirobolantes et certains touchent une partie en devises étrangères. Vous saviez c'est le fonds spécial retraite. Oui. C'est le fonds spécial retraite. Certains touchent une retraite dont une partie en devises. Oui, oui. Au moment où les retraités qui sont par millions en Algérie vivent avec des sommes absolument honteuses. Le chômage, pas de soutien des gens qui n'ont pas de travail, des jeunes qui se jettent à la mer par dizaines de milliers, des millions de jeunes qui ne rêvent plus que de partir. Et on nous parle de préservation des acquis sociaux. C'est un problème extrêmement grave parce que quand l'Algérien, la majorité des Algériens ne peuvent pas vivre dignement de leur salaire, que le pouvoir d'achat qu'on leur offre ne leur permet même pas de vivre décemment, d'avoir un logement décent, de vivre au quotidien décemment, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. À partir de là, ce n'est plus possible de parler des acquis sociaux. Parce que déjà, l'Algérien est humilié dans sa vie quotidienne. Comment voulez-vous qu'un Algérien qui ne peut pas vivre de son salaire puisse penser aux problèmes de productivité, aux problèmes de rentabilité, aux problèmes de concurrence mondiale, aux problèmes de la mondialisation, aux problèmes de comment préserver l'outil de production, etc. Comment, dans un pays où les syndicats ne sont pas respectés, dans un pays où les travailleurs ne sont pas respectés, dans un pays, finalement, où tout est gabegie et qu'on s'enrichit à l'ombre des institutions. À partir de là, il n'est pas possible. Le problème des acquis sociaux. De parler des acquis. Est-ce que M. Tebboune peut promettre et garantir déjà qu'il n'y ait pas de remise en cause des transferts sociaux? Il ne peut pas le garantir. Il n'y a plus les moyens, l'Algérie n'a plus les moyens d'assurer. Est-ce qu'il peut le promettre? Est-ce que le Premier ministre peut promettre aux Algériens d'assurer, de continuer à subventionner les prix, et si il ne va plus, le gouvernement ne va plus subventionner les prix,
quelle est la dotation qu'il va mettre à la disposition des foyers les plus démunis? Combien? À quelle hauteur? Est-ce qu'on peut vivre... C'est hors de question. Bon, est-ce qu'on peut vivre avec 20 000 dinars dans ce pays? Non. Alors que les salaires sont le minimum est de 20 000 dinars et il y a des millions de travailleurs. On a augmenté à 20 000. Oui. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ne touchent pas. Oui, mais ça reste toujours 100 euros. Oui, non, absolument. Donc, est-ce que M. Tebboune peut garantir à la réelle? Est-ce qu'il peut le garantir? Il ne pourra pas le garantir parce qu'il n'a pas les finances nécessaires pour cela. Et justement, vous m'apportez, pour faire la transition, est-ce qu'il peut, comme il dit, poursuivre les investissements? Est-ce qu'il peut poursuivre le développement humain? Mais c'est parce qu'il entend par là déjà. Le soutien à l'économie, à l'industrie. Est-ce que... L'Algérie n'a pas les moyens. Enfin, l'Algérie. L'État n'a pas les moyens aujourd'hui, nous le savons, qu'il est lié au prix des hydrocarbures, au prix du pétrole. Alors que nous savons, si le prix du pétrole, du baril, augmente la veille de 2 cents, il diminue le lendemain de 5. Il fait du yo-yo. Oui. Il fait du yo-yo. Et nous savons que... Mais il ne remontera plus jamais à ces taux faramineux. Il faut le dire. Pour que l'Algérie, dans la situation économique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, du point de vue de son PIB, si l'Algérie, le prix du pétrole, n'atteignait pas 90 dollars, c'est-à-dire il manque 45 dollars. Oui. Il manque 45 dollars. Pour que le prix du pétrole gagne 45 dollars dans les prochains mois, c'est impossible, quoi qu'on dise, M. Khlir. Alors, avant de revenir à cette histoire de renforcement de l'état de droit, qui est vraiment très important. Si vous me permettez, pour les acquis sociaux, et on va Hassan a parlé du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Algériens vient encore de diminuer, d'au moins 20%. Pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie, M. Tebboune, a donné l'ordre au président, la fonction présidentielle, a donné l'ordre à la Banque d'Algérie de déprécier le dinar de 20%. C'est clair. Hier ou avant-hier. Voilà. Cela veut dire que les Algériens ont perdu au moins 20% de leur pouvoir d'achat. Évidemment. Allez-y. Pour m'exprimer sur les acquis sociaux, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut resituer le débat, en fait, notamment sur cet aspect-là. Quand vous avez parlé tout à l'heure des transferts sociaux, effectivement, je vous rejoins, c'est considérable, c'est plus de 13% de mémoire du PIB algérien, ce qui est énorme. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est qu'avec toute cette promesse qui finalement se perpétue également, ou ce que j'appelle une éternelle esquisse d'un projet qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais commencé d'ailleurs. Donc, mais pour revenir sur les transferts sociaux, sur les acquis sociaux en règle générale, mais... Avec quels moyens, avec quels outils, justement, pourrions-nous effectivement mettre en place, en exergue ces aspects-là, ces clauses-là, ces effets d'annonce, sachant que nous n'avons à ce jour pas d'alternative, pas de diversification économique. Mais justement, avant de revenir au point de renforcement de l'état de droit, est-ce que nous pouvons accepter l'évidence éventuelle, évidence éventuelle, je fais dans le... Est-ce que nous pouvons accepter notre logique pourrait accepter la logique d'un avenir, d'un futur où ils ne seront pas obligés d'abandonner le soutien des prix, y compris ceux des produits de première nécessité. Je ne parle pas que de l'essence, par exemple. Y compris ceux des produits de première nécessité. Est-ce qu'ils ne seront pas obligés d'arrêter les budgets d'équipement, pas seulement de les ralentir, de les suspendre totalement, de les arrêter, puisqu'ils n'auront plus d'argent du tout en 2019. L'argent existe, pour répondre à Sébastien. L'argent existe. Encore ? Il existe encore. Oui, il existe. L'argent est là. 6 milliards en un semestre, quand même. Oui, non, l'argent est là. L'argent est là. Est-ce que le pouvoir, bien sûr qu'il faut qu'il soit vertueux, mais il ne le sera jamais. Il faut être vertueux pour faire cela, pour faire cette politique-là. On sait que la fraude fiscale... est colossal. Un chantier énorme, tout à fait. La fraude fiscale est colossale dans ce pays. Nous savons que la corruption est aussi énorme. Le marché informel également. Et l'informel, bien sûr. L'informel, c'est de la fraude fiscale. L'informel, c'est de la fraude. Les seuls qui payent le fisc, c'est la Sonatrach et les salariés. Et à la décharge d'un certain type d'informel. À la décharge d'un certain type d'informel. Celui qui produit, il y a un informel qui produit.
et qui absorbe une partie du chômage. Cet informel-là, je peux le laisser faire parce qu'il absorbe une partie du chômage. Voilà. Oui, bon, si on le structure, il va tomber dans le formel, dans la payer des impôts, etc., etc. Mais il faudra y venir. Mais il faut que le pouvoir ait cette vertu-là, mais il ne l'a pas et il ne pourra pas l'avoir parce que ce sont ses coquins et ses copains. Et est-ce qu'on pourra éternellement payer les gens de mots ? Leur dire oui, l'état de droit, oui, on va soutenir les investissements, on va renflouer ceci. Moi, je pense sur justement la sacralité des acquis sociaux, des transferts sociaux en règle générale. On a facilement en fait une projection actuelle et factuelle des choses, et notamment le Venezuela. Le Venezuela aujourd'hui vit une situation justement dans laquelle on a pensé à la note. Terrible. Absolument. Terrible. Et dans lequel on a du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'analogies avec l'Algérie. Absolument. C'est pour ça que je cite cet exemple-là qui, pour nous, est une projection future. Si rien n'est fait en amont, et bien évidemment, vous avez parlé de l'argent qui est à disposition. Oui, certes. Mais attention, vous avez parlé de virtuosité. Eh bien, justement, mettons-la en exergue. Aujourd'hui, un fonds de réserve, par exemple, ou un fonds de change, par exemple, est censé être un fonds d'investissement pour les générations futures. Or, nous avons compris l'inverse, c'est-à-dire que nous allons puiser dans ce fonds, et notamment, j'ai appris les chiffres récemment, plus de 6 milliards de dollars en un semestre depuis janvier 2017. C'est dire, en fait, que ces gens, on dorment un peu sur leur laurier. Ils ne produisent plus dans la politique de résultats. Et c'est ce qui fait que cette esquisse se perpétue. Et nous allons revenir au renforcement de l'état de droit en regardant la vidéo dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est un avocat au bas de Chili, de son immeuble. Il a affaire à des policiers en civil. Regardez, c'est un avocat. Ils sont en train de l'embarquer. Il est filmé par quelqu'un, un automobiliste de passage. Il est en train d'appeler au secours, mais personne ne va à son secours. Regardez. C'est un avocat qu'on est en train d'enlever au bas de chez lui devant tous les voisins. Il s'apprêtait à aller à la mosquée, la prière du vendredi. Voilà. Et c'est comme ça que des milliers d'Algériens ont été enlevés par les forces dites de sécurité. Et regardez ce policier en djellaba. Voilà, ils l'ont jeté comme de la marchandise dans une voiture. Et nous allons la revoir. Voilà, ce monsieur, dans la rue, voilà, des policiers, ils l'embarquent. De force. Il crie. Il y a beaucoup de voisins qui sont à leur balcon, qui regardent, mais personne n'intervient. C'est dire dans quel état se trouve la société algérienne. Regardez comment il résiste. Il l'embarque par la force, très brutalement. Il le jette dans la voiture. Regardez. Un troisième larron qui arrive à la rescousse. Regardez ce policier comment il est habillé. Voilà. Vous avez vu les voisins sur les trottoirs en train de regarder. Voilà, ça se passe normalement. L'état de droit. C'est la même politique qui continue depuis 1963. Les kidnappings, les assassinats politiques, la force publique qui est privatisée, etc. Je veux dire, la violence institutionnelle, c'est vraiment la culture du pouvoir actuel, comme celle du pouvoir depuis 1963. Parce que, comme disait si bien Ibrahim tout à l'heure, on a commencé la naissance de l'Algérie avec un coup d'État. Boumdine qui a mis Ben Bella tout de suite. On arrête les travaux de la constituante. On présente une constitution qui a été rédigée dans un cinéma. Et puis, effectivement, deux ou trois ans après, Boumdine fait son deuxième coup d'État. Il a été adopté dans le cinéma, mais rédigé à l'Assemblée. Mais vous avez vu, moi, ce qui me choque, c'est que les gens, les voisins, n'interviennent pas. Ils ont ici, peur. Vous imaginez ici en France, si ça se passait, dans la rue, c'est tous les passants qui interviendraient. C'est incroyable, ça veut dire ce repli. Cela veut dire que nous sommes en situation d'insécurité dans ce pays, avec n'importe qui
peut être enlevé en pleine rue et à n'importe quel moment. Oui. Alors qu'ils auraient pu le convoquer. D'autant plus. Ils auraient pu lui demander de se présenter au commissariat. D'autant plus que ce n'est pas un citoyen, je mets des guillemets, ordinaire. C'est un avocat. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est un auxiliaire de justice. Je rebondis sur cet aspect-là, justement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'effectivement, nous condamnons avec force et sans complaisance ce type d'agissements qui sont d'un temps révolu, hein, quand on se le dise, et qui plus est quand on a un premier ministre. Un temps révolu, pas en Algérie. Pas en Algérie, effectivement. Ouais. Mais non, enfin, pas révolu, c'est-à-dire d'une manière où un premier ministre l'annonce quelques jours avant que, justement, le renforcement de l'état de droit. C'est-à-dire qu'il existe déjà. Voilà. Mais quand vous avez parlé de la fonction, moi, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Mais je pense que l'issue des enquêtes préliminaires pourront peut-être l'affirmer ou le réfuter, c'est que cet avocat n'est pas n'importe quel avocat. C'est un avocat quand même qui a plaidé pour Chakib Khalil. Et ça me renvoie un peu sur cette tension clanique. C'est qui et c'est où? Cette tension clanique, forcément, qui sont en train de s'exprimer sur le terrain. C'est une information. Oui, parce qu'on ne donne pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ceci étant, on parle de la manière. Cet agissement, je condamne fermement ce type d'agissement de qui plus est illustré par l'État, par un État. Parce que le bout de la vidéo, par exemple, le voisin qui dit que qu'est-ce que vous allez faire, c'est l'État. C'est l'État. Celui qui filme est en train de dire. Mais pourquoi vous voulez qu'on intervienne? C'est l'État. Ils sont dans l'expectatif. Le problème, c'est qu'ils ne se cachent pas, ces gens. Ils savent qu'il y a aujourd'hui des gens qui filment par téléphone. Ils s'en fichent éperdument. Ça veut dire qu'ils sont en territoire conquis. C'est la politique de l'arrogance annoncée. Hein. Chakib Khalil a le droit d'avoir un avocat dans un état de droit. Il a le droit d'avoir un avocat. Il doit avoir le droit de se défendre. Peut-être que Bédi essaie de faire une lecture politique. Sur les tensions claniques actuelles que nous vivons. C'est-à-dire que c'est la guerre clanique qui s'approfondit. C'est pas qui s'approfondit. Qui prend des proportions d'ailleurs. Ce type de proportion, ça veut dire qu'on est dans le gangstérisme, on est dans le banditisme. C'est incroyable, hein. C'est franchement. Vous êtes d'accord pour qu'on la revoie? D'abord, ce serait venir en aide à cet avocat. Oui, peut-être. Et ensuite, faire connaître son cas à tous les Algériens. Et je demanderai d'ailleurs à tous nos téléspectateurs d'essayer de relayer eux-mêmes, de faire parler. Cette vidéo, pour qu'on arrête de ce genre de pratique, nous allons la revoir. Il appelle son fils ou quelqu'un, Mohamed. Mohamed. Personne ne vient à son secours. C'est incroyable. On me dit à l'oreillette que cet avocat était l'un de ceux qui dénonçaient le plus le général Taufik. Il est connu pour c'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Hein. Ça reste à vérifier, bien sûr. Ouais, il semble que les journaux aient fait part de cet aspect de son activité. Il aurait eu maille à partir avec le DRS. C'est un véritable climat de terreur. Quel que soit. Bon, en tout cas, quand on regarde que les images, sans connaître la personne enlevée, d'abord une voiture banalisée. Ce n'est pas une voiture de police. Il aurait peut-être été rassuré si ça avait été une voiture de police avec des policiers en bonne et due forme. C'est des truands qui arrivent et qui enlèvent quelqu'un en plein milieu. Cela dit, c'est une pratique de barbouze généralisée. Ouais. Parce que là, il s'agit d'un avocat, effectivement auxiliaire de justice. Mais il n'y a pas si longtemps, des militants autonomistes, des militants indépendantistes, en Kabylie, ont été kidnappés de la même façon. Hein. Je veux dire, c'est quotidien depuis 1963. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un est dans le collimateur du pouvoir, eh ben, on n'applique pas effectivement les procédures habituelles pour convoquer la personne,
lui permettre d'avoir un avocat, avoir une justice sereine, etc. On me dit dans l'oreillette qu'il est très impliqué politiquement, il a beaucoup dénoncé dans les journaux, Chakib Khalil, Taufir, il était impliqué dans l'affaire des Arroches. Oui, mais c'était le cas de... Surtout Taufir, paraît-il, le général Taufir. Mais quel que soit même, son activité, même avant comme Taufir, ça, de cette manière... C'était les mêmes pratiques, même avant Taufir. Oui, il a le droit. C'était les mêmes pratiques. Le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une approche systémique des problèmes de société, des problèmes politiques, des problèmes syndicaux, etc. Et cette approche systémique, c'est la violence institutionnelle. Il va falloir qu'on parle de ça un jour. Oui, la violence, ce type de violence, j'ai cité Weber, ne peut pas être légitime, parce qu'il y a de la violence qui est légitime. Mais celle de l'État, on voit, bon, elle peut être une violence légitime. L'avocat s'appelle Amara Mohsen. C'est ce que j'ai lu. Mais à partir du moment où l'État, où le pouvoir, où le système est lui-même légitime, pour pouvoir exercer une violence légitime sur ceux qui contreviennent aux lois. Absolument, absolument. Mais cette violence, elle est illégitime parce que le pouvoir lui-même est illégitime, quelle que soit la personne qui est enlevée, qui est à ce point violentée. Les membres de la première Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a été présidée par Maître Ali Hia Abdennour, ils ont subi le même sort. Ouais. Un par un, ils ont été jetés dans des coffres de voiture. Ils se sont retrouvés à Lombèze ou à Berouaguia. Ils ont été jugés pour atteinte à la sûreté de l'État parce qu'ils ont créé une Ligue algérienne des droits de l'homme. C'est la même politique qui se poursuit. Des gens sommairement. Ouais. Bon, pour revenir sur la thématique, justement, peut-être pour le mot de la fin de ma part, oui. C'est que ce que je retiens de ce qui a été déclaré, notamment M. Tebboune, en matière de plan d'action, je retiens, et je le résume d'ailleurs en une phrase, à mon sens, j'estime que c'est une escroquerie morale et politique. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Je rappelle que le... Kamel Dinfrar a subi exactement la Kamel même chose. Kamel Dinfrar a subi la même chose et beaucoup d'autres aussi. Oui, oui. L'avocat s'appelle... Amara Mohsen. Amara Mohsen. Et nous allons vous montrer sa photo. Voilà. L'Amni Ouakaf Al-Mohami Mohsen Amara. Et de quelle manière, s'il vous plaît, monsieur Tebboune ? Yachtatef, monsieur. Yachtatef. Oui, oui, mais voilà. Là, ils disent Ouakaf. Non, mais c'est là où je vais en parler. De quelle manière, monsieur Tebboune, qui nous parlait de renforcement de l'état de droit. Okay. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Haresh. Hassan Hayrach, à Brahim Younsi, à Badis Khnissa, à vous aussi. Dommage qu'on n'ait pas parlé du consensus. Nous le ferons la prochaine fois. Parce que ça, c'est extrêmement important. Absolument. Que l'on parle de consensus. Absolument. C'est très bien. Khawal Akher. Merci. Merci à vous.